de ça quelques années. A eu quatre beaux enfants, on les aime, c'est effrayant, mais qu'on n'a plus va pas trouver de personne tiens pour les garder. Elle est venue s'installer chez nous avec ses petits pis son époux. Ma grande sœur, c'est une femme d'action, que font les bains des unions. Une école de parents, c'est une sorte de jardin pour enfants. Pour que ça marche, elle donne la peine, elle sort deux, trois fois par semaine. Elle nous confie ses enfants, puis son mari, si on a le temps. Manger dans la tradition, tout le monde le passe à la maison. D'habitude, nous, on mangeait des beaux plats puis des fins mains. Mais comme les enfants n'aiment pas ça, du saucisson puis du foie gras, on mange de la ballonnée et du beau jello coloré. Quand arrive le samedi soir, mon ami s'en vient me voir. On s'installe dans le salon pour faire ce que tout le monde compte. En s'assoyant, mon amoureux, il a cassé une poupée en deux. Au lieu de me demander ma main, il m'a lâché pour une catin. Mon ami a disparu, puis je l'ai jamais revu. Quand arrive le samedi soir, j'espère toujours l'apercevoir. Il s'en vient vers mon balcon, mais je pense qu'il va rester garçon. Il m'a dit, pourquoi te marier, t'as des enfants, t'as pas besoin de moi. Malgré tout, moi je soutiens que les enfants c'est un grand bien. Comme ma sœur l'a expliqué dans une conférence à TV, il faut fuir dans la vie celui qui n'aime pas les petits. C'est que son cœur est pas assez grand, puis toute la place c'est lui qui apprend.